Sur le stade de Maracana de la place Alexis Tshielenga à Boisso, deux équipes d'enfants âgés de 15 ans au maximum s'affrontent. Nous sommes au lancement du tournoi doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara. Le tournoi est parrainé par le député élu d'Aboisso commune, Aboubakari Sissé. Ce tournoi est organisé pour les plus petits, pour leur permettre de faire un brassage entre eux, pour leur permettre de vivre ensemble, de vivre la paix et de connaître le bonheur, de présenter aussi leur talent au niveau de notre nation. Des responsables du centre de formation de football se sont réjouis de l'initiative, estimant qu'elle donne l'opportunité à leurs poulains de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. J'ai l'impression que ça nous fait déjà de participer à cette compétition. Depuis longtemps, nous sommes un centre de formation qui encadrant presque toute la jeunesse d'Aboisso. Donc quand les enfants prennent part à cette compétition, ça leur permet de s'égayer, ça leur permet de donner le dos à la drogue, à la délinquance, à la fête. Grâce au sport, les enfants abandonnent la mauvaise fréquentation. La finale de cette 8e édition du tournoi de football des U15, dotée du trophée de la première dame à laquelle prennent part une trentaine d'équipes, aura lieu à la fin du mois d'août.